Le geste en a surpris plus d'un. Cristiano Ronaldo s'empare de deux bouteilles de soda posées ostensiblement par un sponsor devant lui et les écarte. Conséquence directe, l'action de Coca-Cola a plongé à la bourse de New York. Une perte de valeur de 4 milliards de dollars. On mesure l'influence que peut avoir un petit geste d'une star du football. On a mis devant les joueurs des bouteilles, on ne sait pas trop pourquoi, et que spontanément, ces joueurs qui d'ailleurs prennent de plus en plus position sur les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux pour certains d'entre eux, ils ont cette dynamique de responsabilité, et bien là, ils ont fait les actes fondateurs qui sont d'enlever de manière très brutale. Ça produit un effet qui immédiatement impacte la valeur des marques. Le lendemain, Paul Pogba, lui, retire une bouteille de bière d'un autre sponsor de l'Euro. Ces deux marques ont investi respectivement 30 et 38 millions d'euros pour parrainer la compétition, alors quand des joueurs revendiquent leur désaccord avec la présence de certaines marques, les dommages sont immédiats, une tendance qui risque de donner du fil à retordre aux organisateurs d'événements sportifs.